2,5 km. En dessous, c'est le Tarn. Bonjour le Tarn. Il est pas plein, il monte, hein. Nous sommes donc le 10 juillet 2011. Et nous venons d'arriver au camping 1800 en Cévennes, Panga, au bord de l'Hérault. Marisa. Oui. Te plaît ce bungalow? Parfait. Parfait. J'ai juste un peu chaud. Robinson Crusoe. Là aussi? Ouais. Attendez, je ferai un gros plan. Non mais parce que ça va pas se voir. Je ferai un gros plan. Donc je raconte. Ah non. Non. Pitié. J'ai voulu aller voir le côté sauvage de la rivière. Non mais je vais couper, je vous inquiétez pas les enfants. Je me suis trompé de route au retour et j'ai traversé donc les champs de ronces. Et comme j'ai eu peur parce que j'ai cru qu'il y avait un serpent, j'ai couru dans les ronces. Et voilà. Et voilà l'aventurier maintenant, des Cévennes. Ça fait comme des grilles de barbecue. MDR, tu as raison. MDR. Mais j'ai perdu du ventre. C'est vrai que t'as moins de ventre. Tu peux nous faire ça tous les jours. Nous sommes sur un pont du 15e siècle. Nous sommes sur l'Hérault. À Saint-Julien-de-la-Nef. Superbe pont. On verra sans doute vu d'en bas tout à l'heure. Alors voilà le genre de forêt que j'ai traversée. Oh, l'aventurier. Donc sur les rives de l'Hérault. Et donc le fameux pont du 15e siècle. Mardi 12 juillet 2011, nous sommes où? La Vis. La cascade de Davis, hein. Saint-Laurent-le-Minier. Saint-Laurent-le-Minier. Il est en courant, faut pas y pousser ça. Saint-Laurent-le-Minier, cascade de la Vis. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? They get you to train your heroes for gold, hot ashes for trees, hot air from a cool breeze, cold comfort for change.
My sweet Lady J, when I see you again, your servant of I, and will humbly remain. Just heed this plea, my love, on bended knees, my love, I pledge myself to Lady J. My dear Lady Anne, I've done what I can. I must take my leave.
sommes à la vis, commune de Gornières, qui compte parmi les statiques de l'eau et très fraîche. Coloré, son trou du cul. Oui, oh là, bien noir. Bien noir, elle a plein de puces alors. C'est Isis. Tu dois trop le toucher. Il ne restait pas des trucs dans les assiettes. Marie, si on commence à le nourrir. Bah oui. Il y a des gants en bas de maman. Ah, je vais restreuer mon petit à vous. Va te laver les mains, s'il te plaît. Oui, mon Pierre. Ne se pas. Non, mais t'allais se diriger vers ici. Je te ferais remarquer que tout à l'heure, tu as touché le chat avant de venir manger. Non, tu t'es pas lavé les mains. J'ai pas touché moi. Tu m'as dit que tu pleines plus. Ah non, mais c'est ça, c'était parce que regarde. Voilà, voilà. Marie, non, mais Marie, elle est arrivée, elle a touché le cul du chat. Elle a levé sa queue. On parle correctement chez nous. Non, mais c'est vrai. Pierre. Et Pierre, elle a posé comme question. T'as fini ta petite poire. Pierre, elle a posé question, mais pourquoi tu regardes son cul? C'est pour savoir si elle a des puces. Chut, moi je t'ai poiré. Non, directement chez Pierre, nous. Pierre, elle pose la question. Pourquoi t'as touché son cul? Non, mais si, j'ai pas touché le sien. Attends. Et Marie, elle a dit, c'est pour savoir si elle avait des puces. Et Pierre, elle a dit, un chat, quand elle a une puce, il a du cul rouge. Marie, elle a fait, non, il a le cul noir. Après, je dis, bah, ça veut dire que j'ai des puces. Parce que j'ai le cul noir. Non, normalement, les noirs ont le cul de cul blanc. Non, du tout. Oh, c'est lui-là, bah, qui a le trou de cul blanc. Un petit abricot, mon bébé. Non. Bon. Elle a jamais le tâté le trou du cul d'un noir. Je suis pas sûre. Chut. On se déplace. Toi, t'es où, t'as des puces? C'est le feuilleton là-bas. Il y a la pub là. Non, ils sont. C'est la pub. Bon. Là, comment ça... Nous sommes le dimanche 17 juillet, un truc comme ça. Et il fait beau, vraiment pas beau alors bon. L'humeur est bonne par contre. Tu veux mettre tes lunettes, chérie? Oh non, ça va mon cœur, je vois bien ici. Merci. Des bisous. Et où tu gênes le bisou de Marie? N'étends un peu l'écran, s'il te plaît. Il est un peu poussière, mais pas l'écran. Ils comprennent pas. Il parle pas français. J'aurais pu prendre un meilleur.
Oh, kéké pour le coup. C'est la benne qui tombe. Spectacle, monsieur. Regarde, regarde, on voit son... Gratuit. Son culotte. Oh là, oh là. Oh, il est fort, le garçon. Oh là là. Oh là là. Oh, petit bisou, il regarde. Petit bisou, il regarde. J'ai pas compris. Faut que ça capte, hein. Pas de réseau, là-dedans. Ça y est, un peu d'action, ah, ça là. Ça y est, ça y est. Il monte le piqueur. Tout mou, en plus. Tout mou. Comme lui. Il s'adresse aucune parole. Le temps est au... Ça vous captive, hein? Oh, très intéressant. C'est marrant. Oh, symptomatique de la relation homme-femme, macho... Non, c'est moi qui fais chérie. Regarde, tu sais pas. Ouais, ouais, non, mais c'est tout à fait ça. Et mais elle est plantée comme un balai. Elle galère. Ça sert à rien. Regarde, regarde. Moi, je sais mettre un tuyau dans un tuyau. C'est bien, regarde. Mais regarde, galère. Non, c'est tout un art. Il faut réfléchir, il faut calculer, il faut cogiter. Nous sommes en direction de l'Igual pour trouver les gorges de la Dourbie. Et Marie a un petit peu de mal en voiture. Quand on va en randonnée, on met des chaussettes. C'est un truc comme ça. Complètement ça. T'as trouvé ton bonheur là. Ouais, c'est super joli. T'es contente, Marie-Ri? Ouais, mais ça mérite. Ça avait pas le quiz, hein? La voiture, c'est moi de la première à le dire. Ah non! Bonjour Sauterelle, moi je m'appelle Pierre et toi? T'as de beaux yeux, tu sais. T'es très très belle. Donc nous sommes au bord de la Dourbie, nous sommes le lundi combien? 18. Merci Jeannot, 18 juillet. Et nous avons trouvé un petit coin de paradis pour pique-niquer donc au bord de cette rivière. Qui tout autour forme des gorges. C'est assez paradisiaque, effectivement. Nous sommes dans un vallon, très apprécié des vaches. T'as vu cette petite baignoire? Oh ah oui, tu m'as fait peur. Ça va les loulous? Ça va les loupios? Il est passé où Jeannot pour aller là? T'as pas des passants? Non. We'll be right back.
une pierre, elle a glissé, elle est tombée à l'eau. Elle est pas rentrée en maillot de bain. Ah, c'est dommage, j'ai pas filmé la chute. Aïe aïe aïe. Bon, toi, on va se casser quelque chose, alors on va arrêter le massacre. Hein. Pas du tout, hein. Pierre, on est très loin d'un hôpital, alors arrête. Là, ici, un hélicoptère qui vient nous chercher. Mais dis non, viens. C'est pas possible. C'est trop froid. Ah, c'est froid. On a beau lui dire à Marie de prendre ses précautions. Et voilà le travail. Théo, t'avances s'il te plaît. Petite curiosité du coin. Tu dis rien. Est-ce qu'on a vu une vipère? Attention là, Théo. Bah oui. Bon bah voilà. Un quart d'heure de notre camping. Un petit endroit vraiment magnifique. Nous sommes à Esparon, un petit village, mais alors perché sur un rocher. Vous pouvez y accéder. Bonjour. Un village de pierre, construit sur la roche. Magnifique. Là, la vue est grandiose. Petite terrasse qui donne sur un paysage absolument fantastique. Fameux rocher. Nous sommes à Le Vigan. Ce village a bien changé. Nous sommes le mercredi 20 juillet au village médiéval de La Roque Aînée. Bon anniversaire Jeannot. Bon anniversaire. Youpi. On allait faire pipi. Faire pipi sur le gazon pour embêter les coccinelles. Faire pipi sur le gazon pour embêter les papillons. Oh, j'en ai de chance. Bon Jeannot, oui. 19 ans, quel effet ça fait?
ça fait tout drôle. Tout drôle. À ce point-là. Ça fait rien du tout, ça, sincèrement. Bah oui. Je veux pas grandir, moi je vais rester comme Titou. J'avais le même âge que Titou. C'est trop tard. Je ne vais pas vouloir grandir. C'est vrai? Oui. Pourquoi? Parce que j'ai le syndrome de Peter Pan. C'est quoi ça? C'est le syndrome de ceux qui ne veulent pas grandir. On va toujours que ce sont des bébés, des enfants. On a perdu un compagnon. Bon anniversaire. On a perdu un compagnon de route en chemin. Tant pis. Tu viendras plus tard. Il y a toujours le curé là-dedans. Oh, c'est joli, viens, on va voir. Allez, viens, Marie. Regarde la petite plage. Oh, ouais, regarde la plage, trop beau. Des fois, t'as comme trop beau curé. Ah, c'est joli, hein. Oui, dada. Ouais. Marie. Non. Viens par là un peu. Jeannot. Vamos à la plage. Voilà. Quoi? T'attrapes des poissons?
Elle est super bonne. Elle est pas très propre, mais super bonne. Oh. Ah ben voilà. Ah, y a plein d'air. Ouais, elle est bonne, mais elle est pas très propre. Enfin, à 73. Ça va, Marie? Oui. Qu'est-ce que tu fais, Marie? J'enlève mes cuticules de pied. D'accord. Oui. Léo, viens, elle est bonne. Viens, elle est bonne. Papa! Oh, il est bien. Le papa, il est tout. Regarde, des filles bleues. On dirait Mireille. Elle a mis son bonnet pour se baigner, Pierrette. Attention, mamie. Vous allez vous noyer, mamie. Revenez. J'arrive, je reviens. Mamie, alors, c'est pas sérieux, ça. Ne vous inquiétez pas. Faire mon petit tour. Il n'y a pas d'autre bout de pain? Non. Le canoë façon Marie. Titou a pris la barre et les rames. C'est dur, mon Titou. Allez, allez. Attention. C'est bien, mon Titou, vas-y. Un petit rapide qui pose quelques petits problèmes à Jeannot et Marie. Home et à cet rocher qui nous arrête. Ils vont y arriver, hein. Je ris trop, je tremble. Et voilà. Remuez pas trop, s'il vous plaît. Vous m'avez entendu crier? Ah oui! Hein? Attends, pourquoi tu l'as lancé avant? Mais c'était Draco Souffle, toi! Alors lance Draco Souffle! Avoir les trucs que t'as pour voir! Attends! Avoir Draco Souffle! Draco Souffle! Draco Souffle! Ouais, c'est... Paradis. Enfin, il l'a filmé, elle est sous la douche.
Là, le beau gosse. Il y a 64, moi je l'ai passé sur 64. Attends, attends, non, regarde. C'est pas... Non, ah, mais je peux toujours pas sortir. Non, il y a quelqu'un qui fait deux. C'est pas là, le vol. Bah, le truc là, je suis pas là. Ah bah, oh non, t'arrives pas à passer. Enfin, je sais pas, peut-être que t'arrives à... Si t'arrives à passer, c'est bon. Attends, je te dis juste un immeuble. Faut que t'ailles un immeuble. Faut que j'aille là. Pour montrer... Ah bah, tout à droite. Hein? Droite. À droite. Attends. Moi je connais. Moi je, c'est moi qui lui ai. Non, là c'est la fête foraine. Je vais où là? Bon, bah, à gauche. Je retourne. Il est encore en train de nous filmer en fait. Faut baisser. C'est vers le pont de l'inconnu. Ah ouais, ça c'est plus loin. Sale. Faut se baisser c'est là. C'est plus loin en fait. Faut aller en bas. Faut se baisser. Non, oui, il veut. C'est à Ross. Je ne laisserai pas à sa maman. Tu. Non. Nous sommes, nous sommes le samedi 23 juillet, c'est notre avant-dernier repas ensemble. Maman, papa, je vous aime très très fort. Voilà. Marie est heureuse parce qu'elle va rentrer de la gare de Lyon en métro. Elle est contente. Mais c'est sa maman qui va venir la chercher. Non, elle n'aime pas là. Arrivée à Villejuif, oui, mais c'est pas grave. Maman, papa, je vous aime. Pardon, j'ai pas compris, Marie. Maman, papa, je vous aime. Oui. Tant que ça? Ouais. Ouais, mais tu prendras quand même le métro, hein. Ouais. Bon appétit. Et nous, ouais, c'est Kéwan. Pierre, elle a pas dit Pierre et Isa, je vous aime. Non. Pierre et Isa, je vous aime. Ah, bah quand même. Ah, bah, il était temps. Pour réclamer. Et Théo, tu aimes qui, toi? Poppy. Poppy, ton petit Poppy te manque. Allez, Amos. Alors, Poppy a eu la chichite pendant 15 jours et... je sais pas dans quel état on va le retrouver. On va le retrouver intact. Mais à mon avis, tout devrait bien se passer. Pépé, bébé, je vous aime. Ah. Théo, je t'aime, Loulou, petite pensée à Pépé qui va se faire opérer mercredi. Petite pensée à mémé qui angoisse. Petite pensée à papa qui angoisse. Petite pensée à Eva qui finit sa colo. Une petite pensée à Elo qui prépare son mémoire. Et une petite pensée à mon pastis que j'ai pas terminé. Je vais te le finir. Il est là. Titou va le finir. C'est du bon. C'est du bon. Gros bisous. 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 Bisous, bisous. SMS vient d'arriver, j'ai 18 ans. On volait ma virginité, je suis plus un enfant. L'horloge tourne, les minutes sont torrides, et moi je rêve d'accélérer le temps. Dame, dame de haut, oh, oh, oh. Dame, dame de haut, oh, oh, oh. SMS vient d'arriver, j'ai 20 ans. On l'a fait sans se protéger, mais je veux pas d'un enfant. L'horloge tourne, les minutes infanticides, et moi je rêve de remonter le temps. Dame, dame de haut, oh, oh, oh. Dame, dame de haut, oh, oh, oh. Un SMS vient d'arriver, j'ai 21 ans. 9 mois se sont écoulés, et toujours pas d'enfant. L'horloge tourne, les minutes se dérident, et moi je rêve, tranquille je prends mon temps. Dame, dame des hauts, oh, oh, oh. Dame, dame des hauts, oh, oh, oh. Un SMS vient d'arriver, j'ai 25 ans. Tsunami a tout emporté, même les jeux d'enfants. L'horloge tourne, les minutes sont acides, et moi je rêve que passe le mauvais temps. Dame, dame des hauts, oh, oh, oh. Dame, dame des hauts, oh, oh, oh. Un SMS vient d'arriver, j'ai 28 ans. Mamie est bien fatiguée, mais je suis plus un enfant. L'horloge tourne, mais son cœur se suicide, et moi je rêve du
bon vieux temps. Dam dam de haut. J'aurai 30 ans, 30 ans de liberté. Et soudain le bilan, l'horloge tourne, les minutes sont des rides. Et moi je rêve d'arrêter le temps.